Concernant la culture d'entreprise, donc tout simplement c'est un ensemble de valeurs qui sont partagées par tout un groupe, toute une entreprise, qui ont plein de choses en commun. Donc déjà c'est un levier de motivation parce que la culture d'entreprise, il y a des personnes, notamment avant, à rester 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Donc c'était vraiment un levier de motivation, on se servait de la culture d'entreprise pour inculquer justement des valeurs partagées par tous, par toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. Donc il y a 6 axes de développement possibles, donc les signes distinctifs, il y a des symboles, donc un logo par exemple d'une marque, qu'on met sur un gilet par exemple avec le code vestimentaire, on a un gilet ou une veste avec le logo de l'enseigne, donc on appartient à ce groupe. On a les méthodes de travail qui sont transmises de génération en génération au sein de l'entreprise. Et vous avez des mythes, des histoires, notamment par rapport à la fondation. Cette entreprise a été créée par telle ou telle personne dans son garage, dans une vieille ferme. Voilà, c'est plein d'histoires comme ça qui vont générer des mythes et qui vont justement façonner la culture d'entreprise. Évidemment, vous avez des habitudes de travail qui sont différentes d'une entreprise à une autre. Certaines entreprises sont réputées pour avoir des très bonnes habitudes, enfin, des habitudes de travail complètement différentes. Et ça fait partie de la culture d'entreprise.